débuté le 28 août 2022 avec la rentrée des élèves de la classe de 6e et le 11 septembre 2022 pour les autres classes. Les cours ont débuté le 26 septembre 2022. L'effectif réalisé a été de 523 élèves, dont 153 filles et 370 garçons. Cet effectif est composé de 403 élèves burkinabés et 120 autres en provenance de 12 pays d'Afrique occidentale et centrale. Sur le plan académique, toutes les activités pédagogiques ont été conduites dans leur intégralité pour toutes les classes. Cela grâce au sens élevé du devoir des membres du corps professoral sous le leadership managérial de Madame la directrice des études. Je voudrais, Ik et Nouk, leur rendre un hommage mérité, partageant avec vous les performances scolaires enregistrées. Au bilan, taux de passage en classe supérieure, 97,70%. Taux de redoublement, 0,57%, soit 3 élèves. Taux d'exclusion, 1,72%, soit 9 élèves. Examen de préparation militaire élémentaire et supérieure, permis-permesse, 100%. Ce palmarès fort satisfaisant vient attester du maintien de l'excellence dans cette noble école et confirme son statut de porte-flambeau de l'excellence au Burkina Faso. Comme les années précédentes, les élèves des classes de seconde bénéficieront de la formation en sécurisme et sécurité incendie. À cela va s'ajouter le camp vacant civisme au profit des adolescents de 10 à 16 ans des établissements de la place. Au plan des activités parascolaires, des enfants de troupes ont participé cette année encore aux concours scolaires nationaux. En effet, dans le cadre du concours de promotion de la langue française ProLaf, 2 élèves ont été lauréats. 6 élèves ont été lauréats aux Olympiades de mathématiques et de physique-chimie. Sur le plan sportif, le PEMCA a participé aux compétitions de l'UCPF et a engrangé les résultats suivants. En football, premier en catégorie junior. En handball, deuxième en catégorie junior garçon. En basketball, deuxième en catégorie Benjamin fille et premier en garçon. Premier en minime fille et deuxième en garçon. Troisième en junior garçon. En volleyball, premier en catégorie Benjamin fille et garçon. Deuxième en minime garçon. Deuxième en cadet garçon et premier en junior garçon. En athlétisme et en lutte, 46 élèves en tout ont occupé la première, deuxième et troisième place, toutes disciplines confondues. Moi, ce prix représente principalement le fruit de mes efforts et aussi l'accompagnement que m'ont donné les cadres ainsi que les professeurs. Au cours de l'année, au premier trimestre, j'ai eu 16,50. Au deuxième trimestre, 17,16. Au troisième trimestre, 17,70.